Gabon Sport, c'est votre magazine hebdomadaire de l'actualité sportive. Aubameyang, and he's got there in the end. Gabon Sport, c'est tous les lundis à partir de 14h sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Le football africain aura désormais les projecteurs braqués sur le Gabon. C'est ce que je disais. Il n'a que la vitesse comme à tout. Oui, moi je crois que c'est à ce niveau qu'il doit beaucoup travailler. Gabon Sport, c'est une émission d'information, d'analyse et de débat avec des experts du monde sportif. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir choisi Radio Gabon La Référence. Heureuse de vous savoir au rendez-vous de ce numéro 3 de Gabon Sport, notre émission hebdomadaire. Le ministère des Sports demande des comptes à la Ligue Nationale de Football. L'information fait les choux gras des médias sportifs gabonais. Le sujet est au menu du jour. À la LINAF, c'est l'heure de l'inventaire. La saison 2019-2020 du National Football arrêtée définitivement par les instances dirigeantes du football national. Quel est le bilan de cette édition interrompue prématurément? Les saisons s'enchaînent et les dettes des clubs perdurent, les footballeurs trinquent. Où en est-on avec la dette des clubs auprès des joueurs? À quand le règlement définitif de cette situation? Nous évoquerons également dans ce numéro de Gabon Sport les perspectives sur le National Foot à l'issue de la crise sanitaire mondiale. Quel avenir pour le championnat national grandement marqué par des difficultés financières et organisationnelles depuis plusieurs années. Pour en parler, dans ce studio, nous recevons Brice Bika Djambou, président de la LINAF, c'est la Ligue nationale de football. Bonjour, président. Bonjour, Nancy. Merci d'avoir répondu au rendez-vous. À mes côtés, deux journalistes, Stéphane Massassa du quotidien L'Union. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Nancy. Et Kennedy Ondoma de l'AGP. Bonjour, Nancy. Bonjour, Kennedy. Bonjour. Ok, merci d'être présent pour parler de toutes ces questions sur le National Foot. Après l'arrêt du championnat par la FEGAFOOT, il est temps d'en tirer les enseignements d'une saison validée au forceps. 6 journées et 2 représentants aux compétitions africaines, respectivement Bouindidi et Mangasport. Après cette étape, à quoi va ressembler le championnat gabonais l'année prochaine? Quelles précautions pour le respect du calendrier et quel mode de financement? Tentative de réponse dans l'édito de Pablo Moussojingoma. Si l'arrêt de la saison par la FEGAFOOT relève du consensus, l'INAF, club et association de joueurs, il est temps de profiter de cette trêve forcée pour se pencher sur la qualité de la compétition, le mode de financement, la maîtrise du calendrier, sans oublier le respect des termes contractuels, des facteurs forcément liés qui constituent, à n'en point douter, un frein à l'épanouissement des joueurs. Parlant de la pompe de discorde entre employeurs et joueurs, il y a des clubs dont le budget repose essentiellement, vous le savez, sur la subvention de l'État. Ces clubs sous assistance respiratoire financière n'ont pas de place en division d'élite. Le club étant d'abord une association privée, il doit en principe diversifier ses sources de financement en l'absence de droits télé qui reste sous d'autres cieux le mode de financement par excellence du football. Là encore, il faut du spectacle, ce qui n'est pas garanti aujourd'hui. Les clubs qui ont une surface financière réduite doivent opter pour la formation en interne pour minimiser les coûts. Ibrahim Ndong et Malik Vounoua, entre autres, ont donné plus de visibilité et de crédibilité au projet de formation du centre périsportif Onchanga à Pinangoy et à celui du Cef Mounana, voire Luffy Lou de Mangasport. Autre aspect, c'est la maîtrise du calendrier qui est l'outil principal de travail dans un environnement qui se veut professionnel. Au Gabon, on sait quand commence le championnat, mais pas la fin. Les interruptions du fait du retard de la subvention de l'État sont légion. Il est temps de revoir définitivement l'ardoise globale de la subvention et rendre les clubs autonomes en début de saison avec les mécanismes de contrôle. Ce principe aura le mérite de permettre aux clubs de respecter leurs engagements vis-à-vis des joueurs. 14 clubs en division d'élite, certains ne sont que de nom, ne pouvant répondre au cahier des charges qui impose les petites catégories, les dames, le terrain et les garanties financières. La FEGAFOOT doit désormais y veiller, sinon on ne sortira jamais de l'auberge. Cet édito, ça rassemble tous les points qui étaient à l'ordre du jour. Mais est-ce que vous avez un mot par rapport à ce que vous venez d'entendre? Avant d'aborder nos sujets dans les détails. Je pense que cet édito, effectivement, résume grosso modo la situation de notre championnat d'élite, première et deuxième division. Si j'ai une petite correction à apporter à cet édito, c'est simplement
dire qu'on ne sait pas quand le championnat commence, parce que dire qu'on sait quand ça commence et quand ça, on ne sait pas quand ça finit. Non, au Gabon, on ne sait pas quand le championnat commence, on ne sait pas quand il finit. Ça, c'est une vérité. L'ensemble, ce qui a été dit, oui, je partage ce point de vue. Aujourd'hui, nous sommes quasiment dans le creux de la vague. Alors, les débats du jour. Dans un récent courrier adressé à la LINAF, le ministère des Sports exige la justification de l'utilisation de la subvention de l'exercice 2019-2020 du National Football. La presse locale ironise quant à la capacité de la LINAF à se prêter à l'exercice. Qu'en est-il réellement, président ? Ben, merci beaucoup. Et effectivement, que nous avons reçu en date du 27 juillet de l'année en cours une correspondance du ministre des Sports qui nous demande d'apporter un ensemble d'éléments justifiant l'utilisation de la subvention qui a été mise à la disposition de la LINAF. Je pense que c'est un exercice complètement normal parce que le ministère des Sports a la responsabilité, a la charge de la gestion de l'ensemble des structures sous sa tutelle. C'est elle qui, par des mécanismes bien précis, fait tout pour mettre à la disposition à ces structures sportives une subvention. Donc, dès lors qu'il y a de l'argent public qui a été mis à disposition, c'est logique que, en retour, nous puissions apporter des éléments qui justifient l'utilisation. Ce que je peux simplement dire, c'est que je vous ai entendu dire qu'apparemment, on aura peut-être du mal à justifier. Non, pas du tout. Parce que il faut que tout le monde soit au courant de la situation. L'argent qui a été débloqué par... On parle de 500 millions. Exactement. Qui a été débloqué pour la première phase du championnat. Par la GOC. Exactement. La GOC, oui. A été débloqué, mais n'est pas entré dans le compte de la LINAF. Ce n'est pas la LINAF qui a réceptionné cet argent. Donc, ce n'est pas la LINAF qui en a fait une utilisation, on va dire, au jour le jour, parce que bénéficier de cet argent, non. Il y a des procédures qui sont mises en place. La GOC a mis cet argent dans le compte de l'agent comptable des sports, l'agent comptable du ministère des Sports, et la LINAF est ordonnateur de ces crédits, de cet argent. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe que le président de la LINAF que je suis émet un mandat de paiement. Un mandat de paiement avec trois signataires. Il y a la signature du président de la LINAF, la signature du contrôleur budgétaire et la signature de l'agent comptable. Donc une fois ce mandat de paiement émis, signé par la LINAF, nous joignons un ensemble de documents. Ça peut être un bordereau de paiement, ça peut être une facture dans le cadre d'un prestataire, ça peut être dans le cadre par exemple des clubs. La liste des clubs qui participent au championnat avec les différents numéros de compte de chaque club. Donc ces éléments sont envoyés chez le contrôleur budgétaire d'abord, qui regarde et s'assure de la régularité de ces documents, qui les envoie ensuite chez l'agent comptable et l'agent comptable effectue le paiement. Donc voilà la procédure. Donc en réalité aujourd'hui, pour justifier cet argent, ce n'est pas compliqué. Nous avons reçu le courrier du ministre le 27. Le 28, nous avons saisi notre agent comptable par écrit et nous lui demandons de mettre à notre disposition un certain nombre d'éléments, notamment les copies de tous les mandats de paiement destinés à la LINAF, parce qu'il y a trois mandats de paiement. Vous êtes seulement censé justifier le budget utilisé par la LINAF ou celui aussi perçu par les clubs. Cette injonction concerne aussi les clubs, oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que comment ça va se passer? La procédure, c'est celle-là. Nous avons demandé, parce que nous émettons trois mandats de paiement. Un mandat reste avec va chez le contrôleur budgétaire, un mandat reste chez l'agent comptable, et un mandat revient à la LINAF. Et dans chaque mandat, il y a des éléments qui justifient la sortie de paiement par l'agent comptable. Donc aujourd'hui, nous demandons à l'agent comptable de nous donner les mandats de paiement qui reviennent à la LINAF, avec l'ensemble des factures, avec l'ensemble des bordereaux
qui correspondent à tout ce qui a été fait comme utilisation. Maintenant, pour ce qui concerne les clubs également, sur un mandat et instruction de la LINAF, l'agent comptable a procédé au paiement des clubs. En première division, 20 millions. En deuxième division, 12,5 millions. Donc, c'est de l'argent qui a été décaissé par l'agent comptable. Pour chaque décaissement, il y a une quittance de paiement qui est éditée. Et l'agent comptable, pour la régularité de la justification, nous avons également besoin d'avoir le SWIFT. Le SWIFT qui correspond en réalité au virement qui a été fait entre la GOC et l'agent comptable. Maintenant, pour le championnat national de première et deuxième division, il y a eu une partie de cet argent qui a été directement envoyée par l'agent comptable à notre compte CDC. C'est un montant d'environ 64 millions. Donc aujourd'hui, la LINAF doit apporter des justifications de l'utilisation de 64 millions qui ont servi à organiser le championnat, à payer les officiels de match, à payer le fonctionnement, le personnel permanent, etc., etc., etc. La LINAF, c'est 64 millions. Le reste, c'est des documents qui se trouvent chez l'agent comptable, un peu plus de 400 millions, je pense, qui se trouvent chez l'agent comptable. Quand on aura tout cet ensemble de documents, bien évidemment que ces documents seront déposés et chez le contrôleur budgétaire et chez le ministre. Donc, nous attendons, nous, à notre niveau, les 64 millions ont été déjà justifiés parce que nous sommes accompagnés dans notre comptabilité. Est-ce qu'on peut avoir de manière ramassée l'utilisation de ces 64 millions? Comment ça se fait? Comment c'est réparti? C'est le championnat national. Oui. Vous avez le fonctionnement de la LINAF. Vous avez l'organisation du championnat. Parce que les officiels que nous déplaçons ont des indemnités. Il y a un ensemble. Tout est mis de telle sorte que nous puissions fonctionner. C'est le fonctionnement de la LINAF. C'est les salaires des agents permanents. Une partie d'ailleurs, ça n'est pas arrivé à c'est ensemble, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais le gros des justifications, nous l'attendons de l'agent comptable, qui s'élève à peu près à plus de 400 millions en termes de factures, en termes de documents, etc., etc., etc. Et les clubs, à leur niveau également, l'argent qu'ils ont reçu, c'est-à-dire en D1, 20 millions, en D2, 12,5 millions, doivent également faire le même exercice, c'est-à-dire justifier l'utilisation. Il s'agirait pour les clubs de dire ce qui a été mis soit dans les salaires de joueurs, peut-être, ou dans le fonctionnement du club, dans les déplacements, le séjour. Vous savez, pour aller jouer un match à l'intérieur ou venir à Libreville, ça a un coût. Donc, c'est toute cette organisation-là aujourd'hui qui est mise en place et tout le monde s'y attelle au moment où nous parlons. J'ai reçu la confirmation d'à peu près 3 clubs qui ont bouclé, parce que il faut dire que il y en a qui sont à l'intérieur et qui sont en train de rassembler le maximum. Ça va être fait et c'est normal, c'est l'argent du contribuable, il faut le justifier. J'ai encore une question, comment la LINAF fait son budget prévisionnel quand on sait que la formule du championnat a changé, donc les matchs ne seront plus les mêmes, les journées ne sont plus au même nombre, comment elle fait pour établir chaque année? Est-ce qu'il y a un budget arrêté pour chaque année dans le fonctionnement de la LINAF ou ça a été fait par rapport aux journées qui vont être couvertes cette année? Bon, le budget pour cette année a été établi par, on va dire, la participation active du ministère des Sports. Les choses sont allées dans le détail avec chaque rubrique, le nombre de matchs, etc., 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 etc. Et comme la procédure l'exige, il faut que l'Assemblée générale de la LINAF se tienne, parce que c'est un organe souverain, et c'est dans nos statuts. Chaque année, nous organisons une Assemblée générale qui, en même temps, fait le bilan de la saison, donc vérifie les comptes et l'argent qui a été utilisé
et puis se projette avec un budget. Donc, le budget a été fait. Il s'élevait à 1 milliard, comme l'a dit le ministre, 1 milliard 257 millions et quelques. À l'heure actuelle, par rapport aux journées utilisées et au fonctionnement qui a été mis en place, nous en sommes à près de 520 millions utilisés. Maintenant que le championnat s'est arrêté, je ne veux pas m'aventurer sur la suite qui va être donnée par les pouvoirs publics. Pour l'instant, il s'agit de justifier ce qui a été fait. Et ce n'est pas la première fois. Vous vous souviendrez, pour ceux qui ne le savent pas, que même quand on n'était pas professionnel, les clubs recevaient une subvention de 50 millions de francs CFA, donnée en deux tranches. Les clubs recevaient 25 millions avant le démarrage du championnat. Et puis, à la fin de la phase aller, il fallait apporter des justifications directement au point du contrôle financier de l'époque. Et quand vous avez justifié votre utilisation, le contrôle financier vous délivrait une attestation de conformité qui vous permettait de bénéficier de la deuxième tranche. Donc, c'est un exercice qui a déjà existé. Y en a qui pensent que c'est la première fois qu'on va être amené à justifier, alors qu'en réalité, nous justifions. Et puis, l'agent comptable des sports, lui, il justifie, parce que tous les comptes gérés par l'agent comptable des sports vont à la cour de compte. Il y a un compte de gestion. Donc, toutes les opérations menées par l'agent comptable sont justifiées. Si une facture n'est pas régulière, si elle n'est pas certifiée, si elle n'est pas conforme, il ne paye pas. Si il n'y a pas, une disponibilité en termes de crédit, il ne paye pas. Vous voyez ? Donc, c'est une procédure normale, régulière, que le ministre a simplement rappelé et qui est normale et que nous sommes en train de nous prêter avec le concours de notre agent comptable. C'est l'agent comptable du ministère des Sports, c'est l'agent public comptable, c'est lui qui utilise les fonds publics, c'est lui qui paye et c'est lui qui a toutes les factures avec lui. Aujourd'hui, on aurait pu simplement, par exemple, demander à l'agent comptable aussi de fournir un ensemble de documents qu'il a pour le compte de la LINAF et qui doivent correspondre à ce qu'il a utilisé. Oui, c'est ce qui va être fait. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Nous pensons que c'est normal que le ministre le demande et que c'est normal que tout le monde se mette à présenter les justifications. Quand je parlais de l'établissement de votre budget annuel, je pensais aussi aux dettes, parce qu'on sait que la LINAF a des dettes auprès des arbitres, des producteurs aussi. Est-ce qu'il y a eu un non-respect des contrats de la LINAF? Est-ce que la LINAF n'a pas inclus les arriérés de cette dette globale à la tutelle pour cette nouvelle saison? Parce qu'on sait qu'il y a des arriérés avec la structure PMN Pro, par exemple, et les arbitres aussi. Bien sûr. Malheureusement, et c'est le débat à l'heure actuelle, et que d'ailleurs tout le monde sait depuis maintenant plusieurs, on va dire, années. Les dettes, lorsque le budget a été élaboré avec la participation du ministre des Sports et validé en Assemblée Générale, on va dire que le pan sur les dettes n'a pas été inscrit. Vous voyez, nos dettes aujourd'hui, elles sont colossales. Ce sont des dettes qui concernent les footballeurs, enfin, on va dire les clubs, parce que il faut que la précision là aussi soit claire. On a tendance à dissocier le footballeur du club. C'est pas possible. Il n'y a pas de footballeur sans club, il n'y a pas de club sans footballeur. Donc, c'est la dette du club. Et dans la dette du club, il y a la dette des footballeurs, il y a la dette des entraîneurs, il y a la dette des fournisseurs. Et au niveau de la LINAF, nous également, nous avons des dettes. Nous avons des dettes des prestataires. Nous devons le SAMU, nous devons les producteurs, nous devons la sécurité, nous devons les arbitres. Pourquoi on en est arrivé là? Simplement parce que les saisons sportives 2016-2017 et 2017-2018 ont fait l'objet d'un non-paiement par les pouvoirs publics. Vous voyez, aujourd'hui, sur ces deux saisons, les budgets qui avaient été arrêtés, validés en Assemblée Générale, présentés, parce que ce que nous faisons, nous l'envoyons à la FEGAFOOT, nous l'envoyons au ministère des Sports. Et c'était des budgets pour chaque saison, à cette époque, 3 milliards.
Et sur les deux saisons, ça faisait 6 milliards. Et les pouvoirs publics ont pu payer 2 milliards sur à peu près, on va dire, 2 ans de compétition. On a eu une saison quasiment avec zéro franc. La saison 2017-2018. Mais les championnats sont quand même joués. Vous vous souviendrez qu'on a organisé le championnat une fois, on l'a arrêté après 6 journées, on a continué 4 journées, et puis on a fait un play-off en 2018-2017. Et puis, la saison d'avant, c'est la même chose. On a joué. Mais ce n'est pas payé. Il y a des gens qui ont prêté. Comment vous vivez cette situation, justement, face aux partenaires qui vous ont soutenu? Ben c'est dramatique. Et c'est regrettable. Aujourd'hui, à juste titre, les footballeurs revendiquent leurs droits, par exemple. Ils ont saisi les instances internationales pour ce qui concerne les footballeurs. Et les arbitres viennent d'emboîter le pas. Et c'est également, je crois, les instances internationales, parce que nous avons reçu un courrier de la fédération il y a quelques jours simplement, qui évoque également la situation de la dette des arbitres. Alors, ça ne pourra se régler, en principe, que si l'État consent à régulariser la situation de ces non-paiements de subventions. Oui, Kennedy, vous avez une question? En fait, moi, j'ai une question. Je vais revenir un peu au niveau de les justices que demande le ministère. Moi, il faut être un peu clair, simple. Les clubs devront rendre les comptes à qui? À la FIGAFOOT, autant pour moi, à la LINAF ou bien au contrôle budgétaire du ministère des Sports? Alors, celui qui a donné l'ordre de paiement, c'est le président de la LINAF. Oui. Celui qui a exécuté l'ordre pour payer les clubs, c'est l'agent comptable qui a fait des virements directement dans les comptes des clubs. Et toutes ces personnes, que ce soit la LINAF, que ce soit les clubs, sont assujettis à un contrôle qui se fait auprès du contrôleur budgétaire. Donc, en réalité, tout le monde devra déposer l'ensemble des justifications auprès du contrôleur budgétaire qui va examiner pièce par pièce pour s'assurer de, un, le montant qui a été mis à votre disposition et deux, les différentes rubriques qui ont été décaissées. S'il y a une rubrique, vous inscrivez que je suis allé dormir, que j'ai fait un voyage dans un hôtel et puis vous n'avez pas la facture de cet hôtel, non, ça va être rejeté. Parce qu'il faut apporter des éléments qui attestent que j'ai passé 3 jours, j'ai passé 5 jours dans un hôtel et ça m'a coûté tant pour tant de personnes. Vous voyez? Donc cet exercice va être fait individuellement parce que aujourd'hui, l'attestation de conformité qui devra être délivrée par l'agent comptable, ce n'est pas une attestation collective, c'est individuel. Si le CF Mounana justifie, le CF Mounana aura son attestation de conformité. Si Manga Sport fait la même chose, elle l'aura. Celui qui ne fera pas cet exercice n'aura pas l'attestation de conformité. À ce moment, on va bien se rendre compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas ou correctement utilisé l'argent de mis à votre disposition, ou ben, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment. Voilà, les mesures seront prises par l'autorité de tutelle qui en a le droit parce que c'est de l'argent public, c'est de l'argent du contribuable. Quand il est mis à la disposition. C'est une logique de justifier, on l'a compris. Stéphane Massassa, vous suivez beaucoup le dossier du National Foot. Vous avez un mot ou bien une question par rapport à ce dossier, ce courrier du ministère? En effet, oui, j'ai pris connaissance de ce courrier. Et puis, il y a une question qui m'est venue, c'était déjà celle de savoir finalement qui était le partenaire de qui. Est-ce qu'aujourd'hui, la GOC qui a sorti cet argent est le partenaire de la LINAF, donc du championnat, ou du ministère? Parce que je vois mal que l'argent d'un partenaire à partenaire transite par le ministère des Sports. Est-ce qu'on peut avoir des éléments d'éclaircissement? Bon, vous savez que la GOC nous accompagne maintenant depuis 2 ans. 2 ans. L'année dernière, il y a eu un partenariat qui a été passé entre le ministère des Sports et la GOC pour pouvoir apporter une subvention au championnat. Ce qui est différent, par exemple, de ce qui a été fait il y a à peu près 4 à 5 ans, où le partenaire RTL Gabon
avait directement signé avec l'ALENAF et avait envoyé les fonds directement dans le compte de l'ALENAF. L'année dernière, la signature s'est faite entre le ministre des Sports et la GOC. Mais l'argent, 1 milliard, qui a été décaissé, avait été directement mis dans le compte de l'ALENAF. Cette année, il y a une particularité, c'est que, une fois de plus, le partenariat a été renoué et l'argent du partenaire a été mis chez l'agent comptable du ministère des Sports. Donc aujourd'hui, c'est de l'argent qui est dans le compte de l'agent comptable et l'agent comptable ne fait les décaissements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que sur ordonnancement de l'ALENAF qui dépose et les factures et tout ce dont on a besoin de payer, validé par le contrôleur budgétaire, payé par l'agent comptable. Donc aujourd'hui, c'est ça la procédure. C'est de l'argent qui n'est pas à l'ALENAF, qui n'a pas été dans le compte de l'ALENAF, mais plutôt au compte de l'agent comptable. Ah, mais ce sont quand même un peu des choses un peu à relever, parce que vous dites l'année dernière, l'argent était directement venu dans le compte de l'ALENAF. Cette année, les choses ont changé, mais on parle de promotion du football gabonais et on se rend compte que on veut toujours que les choses tournent autour de la tutelle, ne pas rendre l'ALENAF autonome et responsable, parce que l'ALENAF est une institution autonome, on peut dire, et responsable, et qui sait gérer de l'argent. Autonome, pourquoi? Puisqu'elle dépend beaucoup de la subvention. On peut dire indépendant, Bon, comment peut-on, comme Stéphane a dit, on signe un partenariat, le ministère signe et le ministère des Sports, alors que moi ça devrait être GOC, l'INAF. Ça ne gêne pas l'ALENAF. Ça ne gêne pas. Vous savez, depuis, on va dire, 2017, le Trésor public n'a plus jamais versé un franc à l'ALENAF. Il a fallu attendre l'année dernière que nous puissions avoir ce partenariat. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout gênant. Ce n'est pas parce que les fonds destinés à l'ALENAF sont gérés par un agent comptable que nous allons nous sentir lésés. Pas du tout, bien au contraire. Bien au contraire. Je pense que l'orthodoxie financière de la dépense publique est plus rigoureuse, à mon avis, lorsque cet argent est directement mis dans le compte de l'agent comptable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez que nous sommes à l'aise, puisque nous avons écrit le 28 juillet, après avoir reçu la lettre du ministre le 27, nous avons écrit à l'agent comptable pour lui dire, met à notre disposition un certain nombre d'éléments, notamment les mandats de paiement, qui correspondent au montant précisé, c'est-à-dire les 519 millions. L'ensemble des 519 millions ont une traçabilité chez l'agent comptable. Pour chaque franc, il a une pièce comptable. Donc, il va remettre à notre disposition. Et nous, puisqu'il y a eu dans cette pièce comptable un virement en espèces dans notre compte, notamment les 64 millions, nous allons, nous, lui apporter les justifications des 64 millions. Quand cet ensemble sera réuni, les 519 millions et autres seront justifiés. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Le plus important, ce n'est pas de vouloir garder de l'argent. Non. Dans la mesure où l'agent comptable n'effectue aucune dépense, si l'ordonnateur que je suis en ma qualité de président de l'ALENAF n'a pas donné une instruction, il ne peut pas l'utiliser. Autrement dit, les justificatifs se retrouvent au niveau du ministère. Si au niveau de l'agent comptable du sport, il peut aujourd'hui, le montant qui est précisé ici, c'est-à-dire les 519 millions, etc., 519 millions, 519 943 657 francs, l'agent comptable aujourd'hui peut, pièce par pièce,
sortir l'ensemble des éléments de ce montant. Alors pourquoi aujourd'hui ce courrier, en plus détaillé du ministère, pourquoi cette injonction ? Pourquoi ce courrier ? Non, mais c'est peut-être l'interprétation que les uns des autres en font. Moi, nous, au niveau de la LINAF, on n'a pas du tout mal pris ce courrier. Oui, mais présent, mais vu que l'argent comptable allait à tous les justifs et que l'argent a été viré dans son compte, pourquoi ne pas directement le courrier l'argent comptable ? Non, parce que l'agent comptable a reçu cet argent pour le compte de la LINAF, pas pour son compte. C'est à la LINAF à qui on s'adresse pour pouvoir apporter des éléments de justification. C'est normal. Ce n'est pas à l'agent comptable de... Vous avez fait déjà cet exercice par le passé ? Justifier l'utilisation de la subvention. Oui, bien sûr, mais déjà quand on va à l'Assemblée générale. En fait, la question derrière, c'est pourquoi justement ce courrier fait des choux gras des médias, puisque c'est un exercice déjà fait... Je ne sais pas pourquoi les journalistes et les réseaux sociaux s'emballent, parce que je pense qu'il y a un problème de mauvaises interprétations et de mauvaises communications. Pour beaucoup de personnes, elles pensent que ces 519 millions sont dans le compte de la LINAF et que la LINAF en a fait une utilisation à son niveau avec les clubs et qu'aujourd'hui, on leur demande de rendre compte. Ça, c'est l'interprétation la plus simple possible. Mais on ne va pas, nous, aller sur les réseaux sociaux pour répondre à ça. Vous savez, si des gens veulent être ignorants, il faut leur laisser dans leur ignorance. Nous, ce qu'on fait, et ce que le ministre a fait, c'est tout à fait logique, c'est normal. Il nous a adressé un courrier. C'est dommage. C'est un courrier administratif. Ce qui est déjà gênant, c'est que ce courrier se retrouve dans les réseaux sociaux. C'est assez gênant. C'est un document administratif adressé à une structure. Vous voyez, on n'a pas besoin d'en faire une publicité comme si derrière, il y avait je ne sais pas quoi dire. Non, le courrier, il est normal. Il est écrit, il y a des points qui vont être... D'abord, on va répondre à ce courrier. Vous voyez, il y a des choses à préciser. Vous voyez que dans ce courrier, par exemple, il est écrit que on a joué le championnat 6 journées en D1 et 3 journées en D2. Nous allons évoquer tout au long de l'émission ce point, puisque l'on parle des comptes. Intéressons-nous à la question de la dette des clubs auprès des joueurs. C'est le deuxième sujet du jour. Avec notre invité, Bika Djambou, président de la LINAF, et mes confrères Stéphane Massassa et Kennedy Ondomba, parlons à présent de la situation des joueurs, la dette des clubs auprès des joueurs pour le compte des saisons 2016-2017 et 2017-2018 n'a toujours pas été soldée. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retard? Alors, encore une fois, je vais me répéter. Un club de football est un ensemble d'acteurs. C'est la base de notre football. C'est la base du football même dans le monde. C'est l'entreprise. Pour pouvoir avoir une économie, il faut avoir des entreprises. Le club, c'est la base du football. Dans un club, vous avez les footballeurs, vous avez les entraîneurs, vous avez les dirigeants administratifs et vous avez le président qui a créé le club. Et aujourd'hui, on a tendance à uniquement s'intéresser à la dette des joueurs. Alors qu'il y a la dette des joueurs, il y a la dette des entraîneurs, il y a la dette des administratifs, il y a la dette du club en tant que structure morale qui fonctionne et qui passe des contrats avec des partenaires. En réalité, pouvoir... on s'intéresse plus à celle des joueurs parce qu'on va... Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je dis c'est normal parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la dette des joueurs. Il faut d'abord qu'on comprenne que c'est la dette de l'ensemble du club. Et également la dette de la LINAF. Donc, c'est la dette de toutes les personnes, toutes les structures, personnes physiques, personnes morales, impliquées dans l'organisation du championnat en 2016-2017 et en 2017-2018. C'est une dette. Et cette dette a une origine. L'origine est simple. La subvention n'a pas été payée. Vous comprenez ? Elle n'a pas été payée. Dès lors que la subvention n'est pas payée, mais il y a une répercussion sur l'ensemble des acteurs. Mais il faut reconnaître le mérite aux footballeurs aujourd'hui parce qu'ils ont un syndicat qui défend
Et c'est logique, leurs intérêts. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça donne l'impression qu'il n'y a que la dette des footballeurs. Non, il y a la dette des officiels de match, des arbitres, des commissaires. Il y a la dette des entraîneurs, il y a la dette de tous ceux qui sont impliqués. Nous devons au SAMU, nous devons à la sécurité, nous devons à tous ceux qui sont impliqués. Tout le monde, on doit à tout le monde. Maintenant, la dette des joueurs, oui, elle existe. Elle on touche particulièrement parce que ce sont les acteurs principaux oui. justement du football, Stéphane Massassa. Alors, il y a eu beaucoup de bruit dans cette affaire des dettes. C'était déjà le montant. Quel est exactement le montant? Parce que ça fait parler. FIFPO avait un montant, les clubs avaient un autre. Finalement, quel est le montant de cette dette, globalement? Alors, vous savez que pour arrêter un montant, ça ne peut pas être l'exercice de la LINAF. Dès lors qu'il y a un footballeur qui est dans un club, qui passe un contrat, même non écrit, dès lors que tu perçois des émoluments venant d'un club, c'est un contrat. D'un employeur, c'est un contrat. Et ils doivent donc être payés. Le montant, aujourd'hui, a posé problème. Même si je veux vous dire qu'on a largement dépassé ce sujet. Mais il a posé problème. Il a posé problème pourquoi? Parce que en 2018, notamment en juin 2018, lorsque la CAF avait saisi la Fédération Gabonaise de Football pour lui intimer l'ordre de payer, de faire payer la dette du joueur en menaçant nos clubs de participer aux compétitions africaines, la LINAF s'était adressée à l'ensemble des clubs. Il y avait urgence. Nous l'avons fait par téléphone, c'est précisé. Nous avons appelé chaque président de club pour dire « Donne-nous le montant, même par téléphone, d'ailleurs on en a besoin, de la dette que vous avez contractée auprès des joueurs. » Ce travail fait, quel est le montant exact? Il s'élevait à 700 et quelques millions, à 95. Peu près. Voilà, 795 millions. Sauf que, quand il s'est agi, maintenant, parce que nous on a fait un document où c'est le club, c'est-à-dire Bitam, tel montant, Manga, tel montant, tel montant. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'être dans le détail de qui a quoi dans ce montant, ça a posé problème. Problème parce que le syndicat et les joueurs, depuis 2 ans, on va dire, étaient dans l'incapacité de retracer nom par nom pour pouvoir arriver à ce montant. Ils ont essayé de faire l'exercice à leur niveau. C'est tombé à peu près 300 millions. Les clubs ont dit, oui, ce montant de 700 et quelques, nous le reconnaissons, mais à l'intérieur, il y a d'autres acteurs. Mmh. Ça fait un débat, parce que la NFPG, tout à fait logiquement, soutenue par la FIFPRO, a dit non, nous nous en tenons à ce document. Et aujourd'hui, grâce au concours de la Fédération Gabonaise de Football et à la participation de la FIFPRO, nous avons eu beaucoup de réunions par visioconférence et nous avons décidé d'arrêter comme montant de la dette des footballeurs ce montant de 795 millions. Mais, c'est un montant qui n'a que de gros titres. Donc, l'exercice est renvoyé au syndicat pour établir la liste des joueurs et les montants pour arriver à ce niveau. Nous, à la LINAF, nous avons envoyé à l'ANFPG, au syndicat, l'ensemble des effectifs de 2016-2017 et 2017-2018. Aujourd'hui, ils ont l'ensemble des effectifs. Il y a des clubs même qui ont complété, parce que vous savez qu'il y a eu des mouvements. Quand un joueur est dans un club cette année, l'année prochaine, il a changé. Les clubs ont même contribué à corriger et apporter les listes qui correspondent à ces 2 saisons. Donc aujourd'hui, il y a une démarche, je ne veux pas dévoiler le travail qui est fait par la Fédération de football. Aujourd'hui, il y a un process qui va vers la signature d'un accord. Un accord entre l'association des clubs de première et deuxième division et la NFPG sur le règlement de la dette après que les documents soient définitivement établis. Donc, dès que
les 795 millions seront listés joueur par joueur, club par club, par l'NFPG, les clubs et l'NFPG vont signer un protocole d'accord qui sera envoyé à la FIFPro. Et la FEGAFOOT déjà a pris un certain nombre d'engagements pour pouvoir apporter sa contribution dans le règlement d'une partie de cette dette. Vous voyez ? Donc les choses se mettent en place. On espère simplement qu'on va y arriver à la régler de manière intégrale. Mais ça ne règle pas toute la question parce que vous aurez là-dedans des acteurs qui ont toujours la dette. Vous n'avez pas de PNM Pro. Il y a une dette PNM Pro. Radio Gabon, il y a une dette à Radio Gabon. Le samedi, je vous dis, il y a plein de fournisseurs, il y a plein de personnes. Les entraîneurs de clubs, les encadreurs techniques, il y a une dette également à leur niveau. Donc, ça ne va pas régler le problème de la dette des saisons sportives 2016-2017 et 2017-2018. Aujourd'hui, il y a un début de solution. Il y a un début de solution. Nous remercions beaucoup la fédération et la FIFA qui également s'est impliquée et a promis un certain nombre de possibilités que je ne vais pas dévoiler au cas où les parties se mettraient autour de la table pour signer ce protocole d'accord. Donc voilà un peu où est-ce que nous en sommes. Et je pense qu'on a, suffisamment avancé sur le problème de la dette des footballeurs. Mais on a avancé, on n'a pas réglé. Oui. vous dites que vous avez avancé. Je pense l'année dernière, il y a une commission qui a été mise en place au ministère. Oui, la commission ad hoc. Qui devait étudier ce problème-là et que tout le monde tombe d'accord sur la dette réelle des joueurs. Quels sont les rendus de cette commission-là? Parce que depuis là, on n'en parle pas, on ne sait pas si elle travaille ou pas. C'est quoi le rendu? Permettez que je m'abstienne de parler de cette commission et d'évoquer les difficultés qui ont été rencontrées dans cette commission et qui ont amené les représentants du club à quitter les travaux. Parce que, une fois de plus, pour les clubs, ce n'est pas juste d'évoquer la question de la dette des footballeurs en dissociant celle des clubs. Oui, les clubs estiment que la dette a une origine, elle est liée. On est à l'aise aujourd'hui de dire ceci. L'État a payé. Pourquoi vous n'avez pas payé? Oui. C'est plus à l'aise comme ça. Or, aujourd'hui, l'État n'a pas payé. C'est pourquoi les clubs, les footballeurs ne sont pas payés. Et l'ensemble des autres acteurs ne sont pas payés. Donc, se mettre autour de la table et pour essayer simplement de regarder un pan et puis dire que tu payes, même si moi je ne t'ai pas payé. Bon, les clubs ont estimé que ça ne les intéressait pas, ce genre de discussion. Oui. Aujourd'hui, les choses ont avancé. Un protocole sera signé entre les clubs qui ont accepté. Ils ont accepté le montant. Les listes vont être faites, nom par nom, club par club. Et il y a des solutions de paiement. Aujourd'hui, la FEGAFOOT a annoncé des montants sur une aide qui va nous être octroyée. Une partie va aller dans ce règlement. Une autre partie encore dans le prochain... Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Mais, encore une fois, les acteurs majeurs de notre football, ce sont les clubs. Parce que qui dit club, j'insiste, qui dit club dit footballeur, dit entraîneur, dit dirigeant. C'est ça l'acteur majeur. Vous savez, un joueur n'est pas dans la rue sans club. Un club ne vit pas sans joueur. Donc, les acteurs majeurs du football, ce sont les clubs. Et sans club, il n'y a pas de sous-ligue départementale. Sans club, il n'y a pas de ligue provinciale. Sans club, il n'y a pas de ligue nationale. Sans club, il n'y a pas de fédération gabonaise de football. Sans club, il n'y a pas de confédération. Sans club, il n'y a pas la FIFA. Ce sont les clubs qui sont la base du football. Et encore une fois, quand on dit club, c'est un groupe à l'intérieur. Ce n'est pas un seul pan, c'est un groupe. C'est grâce au club que le football se fait. Donc, toutes ces personnes méritent respect et considération et traitement équitable. Parce que ce sont eux
qui font le football. Vous savez, quand un club... Assurez-vous, on n'a pas l'intention... Je termine. Quand un club se porte mal, les footballeurs se portent mal. Automatiquement. C'est... Quand un club se porte bien, les footballeurs se portent bien et l'ensemble d'autres acteurs. Vous voyez? Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Pour exemple, moi, je voudrais plus. Donc, si je comprends bien, la solution est en train d'être trouvée en dehors de cette commission qui a été mise en place au ministère des Sports. C'est exact. Ah oui, ok. On parle d'un accord entre la FEGAFOOT. Vous avez parlé d'un accord entre la FEGAFOOT et la LINAF et les clubs. Il y a des dates qui ont été avancées. C'est un accord qui va être signé. Ce n'est pas fait. D'accord. Non, ce n'est pas fait. Parce que nous avançons. Il y a eu une mouture qui a été proposée par la FIFPRO. Peut-être des informations de cette mouture. On a parlé d'un règlement d'un tiers de la dette en septembre. Est-ce que là encore, je ne vais pas m'aventurer parce que vous savez, vous, la presse, souvent, vous êtes friand d'informations. Et dès que vous tombez sur un document, tout de suite, parfois, on se précipite à donner l'information. En réalité, hein, la FIFPRO, avec son représentant local, qui est l'ANFPG, le syndicat, a proposé une mouture du protocole d'accord. Parce qu'on est tous tombés d'accord qu'il fallait faire un protocole d'accord. Ils ont envoyé une mouture et que la FEGAFOOT, les clubs, la LINAF devaient examiner la mouture pour faire une contre-proposition. C'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, en réalité, nous sommes en attente des observations de la FIFPRO et de l'ANFPG sur la contre-proposition. Ça, nous en sommes. Rien n'a été signé. Il n'y a pas, des dates annoncées de paiement. Il n'y a rien. Vous voyez, par exemple, dans la mouture qui a été envoyée par la FIFPRO, eux, ils proposaient que l'accord soit signé entre l'ANFPG, qui représente les footballeurs, la FEGAFOOT et la LINAF. Bon, à juste titre, la LINAF et la FEGAFOOT ont estimé qu'on ne peut pas signer ça, puisque nous ne sommes pas partie prenante dans la dette. Vous voyez, il y a quelqu'un qui doit, c'est le dirigeant du club, et il y a celui à qui on doit, c'est le footballeur. C'est logique que les deux puissent se mettre autour de la table et avec des arbitres qui regardent et qui apportent leur contribution pour qu'ils signent ce document. Et les clubs, dans la mouture qui est partie au niveau à la FIFPRO, les clubs ont participé à ce travail. Donc aujourd'hui, si le document revient à l'état actuel ou avec quelques modifications, ils vont signer. Ils vont signer ce document et ils s'engagent à payer la dette. Je disais que, rassurez-vous, on n'a pas l'intention d'exclure les autres acteurs. Dissocier. Oui, non, du tout. Mais non, c'est ce qui se fait et c'est ce qui se dit dans beaucoup d'esprits de personnes. Vous voyez, on dit souvent, toujours, les footballeurs sont les acteurs majeurs. Oui, ils en sont. Mais en réalité, c'est le club qui est acteur majeur parce qu'ils font partie d'un club. Ils ne sont pas en dehors du club. C'est ce que j'aime souvent préciser. C'est bien défendu par l'Association nationale des footballeurs. Ah oui, oui. On peut dire oui, hein. Que l'information, justement, inonde les médias. Par contre, une petite question pour terminer sur la dette des joueurs. Quand le règlement se fera, est-ce qu'il se fera directement aux joueurs? Parce qu'on sait aussi, des fois, qu'il y a un rapport de confiance qui est un peu brisé entre les clubs. Entre les dirigeants et les joueurs. Les dirigeants des clubs et les joueurs. Tout à fait. Dans le protocole d'accord est proposé par la FIFPRO, et même c'est la contre-proposition renvoyée par la partie gabonaise, on va dire, FEGAFOOT, LINAF et club, il est bien mentionné que les paiements se feront par directement aux ayants droit à la Fédération Gabonaise de Football, soit par virement bancaire, soit par chèque, pas en numéraire, mais un moyen de paiement. Mais les paiements se feront à la FEGAFOOT et directement aux ayants droit. Stéphane, une dernière question sur le sujet? Non, ça va. Voilà, nous attendons tous la résolution ce litige les clubs de deuxième et de première division et les joueurs. Passons au sujet 3 du jour.
Vous êtes sur Radio Gabon, la référence. Notre émission hebdomadaire Gabon Sport s'intéresse aujourd'hui au National Foot avec notre invité Brice Mbika Djambou, président de l'INAF, et mes confrères Kennedy Ondo et Stéphane Massassa. La saison 2019-2020 du championnat national et toutes les compétitions de football arrêtées définitivement. La décision est tombée il y a 3 semaines maintenant. L'heure est donc au bilan de cette saison sportive qui n'est pas arrivée à son terme en raison de la propagation du coronavirus. Monsieur le président de la Ligue nationale, 7 journées seulement jouées en D1, 4 en D2, même si vous avez rectifié le nombre de journées. C'est une saison difficilement et tardivement entamée qui s'est achevée aussi prématurément pour des raisons que nous connaissons tous. Quel est le bilan que vous faites sur le plan organisationnel d'abord? Bon, vous savez, encore une fois, c'est un championnat qui a démarré tardivement. Très tardivement, le 25 janvier. Et l'année dernière, le championnat a démarré en février. L'année d'avant, le championnat a démarré en janvier. Depuis 3 ans, le championnat se joue des formules inédites. Vous vous souviendrez qu'une fois on a joué 6 journées, après on a complété 4, puis on allait dans un play-off. Et l'année dernière, on a joué un championnat avec 4 poules, en jouant dans des zones, les équipes s'affrontent à 4 reprises. Cette année, nous sommes repartis dans une formule de 2 poules avec des play-offs. Vous voyez, c'est pas ça l'idéal pour la LINAF. Vous ne tirez rien de positif dans ces nouvelles formules? L'idéal, c'est d'organiser un championnat en poule unique, en aller et retour, avec nos 26 journées. C'est ça que nous voulons et c'est ça que la LINAF prépare chaque année. Malheureusement, vous avez évoqué des questions de budget tout à l'heure. Malheureusement, je puis vous garantir, et c'est pourquoi je corrigeais tout à l'heure, L'édito en disant on ne sait pas quand on commence, on ne sait pas quand on finit, on ne sait pas quand on finit, pour une raison simple, parce qu'on ne sait jamais combien on aura pour le championnat. Vous voyez, aujourd'hui la subvention de l'État, elle n'existe sur aucun document, aucun, absolument aucun. Donc il faut d'abord que le ministre en place vous disent ce qui sera mis à votre disposition dans le cadre de l'organisation du championnat. Et puis après, maintenant, on essaye de se mettre en place. Vous voyez, la dernière, quand avec le ministre sortant, on lui avait demandé 2 milliards, on lui a envoyé des documents. Il nous a tous réunis, il a dit, j'ai 1 milliard, je le pose sur la table, ça prend ou à laisser. Wow, effectivement. Oui. Donc, avec 1 milliard, peut-on organiser une saison en aller-retour Alors, avec les nouvelles contraintes liées entre griffes au championnat dit professionnel, c'est quasiment difficile. C'est quasiment difficile. Donc, cette année, le bilan que nous tirons, une fois de plus, est mitigé. C'est un bilan mitigé parce que ce sont des saisons sportives que, il faut le dire, il y en a qui l'écrivent souvent, oui, mais il faut le dire, c'est une vérité. Ça ressemble un tout petit peu à du bricolage. C'est une vérité. On apprend sur le président, je suis le premier à le dire. Oui, ça ressemble un tout petit peu à du bricolage. Parce que c'est des formules que nous choisissons 1 ou 2 semaines avant de démarrer le championnat. Par contrainte, oui. Oui, par contrainte. C'est des calendriers que nous réaménageons au dernier moment. C'est un démarrage poussif à chaque saison sportive. Et ça, c'est pas normal. Ça pose un problème. Donc aujourd'hui, le championnat s'est arrêté. Après qu'on ait joué effectivement en première division 7 journées et en deuxième division 4 journées, mais attention, il faut intégrer la 8e journée en D1 et la 5e journée en D2 qui ne se sont pas jouées. Pourquoi? Parce que les mesures gouvernementales qui ont interdit toute activité, y compris le sport, est intervenue le vendredi 13 mars dans la soirée. Or, tous les matchs du week-end étaient prévus pour le samedi 14 et le dimanche 15. Les réunions techniques sont tenues. Tout le monde avait voyagé, tout le monde était sur place.
On a dû appeler au téléphone le samedi pour dire qu'on ne joue pas. Mais ça n'a pas exclu les dépenses. Aujourd'hui, il y a des clubs qui nous ont saisis et qui nous demandent comment on fait par rapport à cet état de choses. Oui. Donc, c'est difficile. La décision qui a été prise par la Fédération Gabonaise de Football pour arrêter le championnat, nous l'avons acceptée parce que au départ, lorsque nous avions saisi la Fédération sur la note de la CAF qui était arrivée, nous, on avait été clair, il y avait deux raisons pour lesquelles on pouvait aller à l'arrêt du championnat. La première, c'était le prolongement continuel des mesures restrictives. 46 tant jours que, encore. Tant que le gouvernement n'a pas déconfiné et que les mesures de regroupement ne vont pas au-delà de 10 personnes, on ne peut pas reprendre les activités. Première raison. Deuxième raison, si la CAF elle-même décide de donner une date limite de l'inscription, l'enregistrement des joueurs pour la compétition africaine, à ce moment, oui, également doit tenir compte. Et ça, l'une des raisons a été évoquée par la fédération, l'enregistrement des clubs, c'est le 31 août, nous étions le 9 juillet, même avec le meilleur des cas, le confinement n'était pas total, on ne peut pas prétendre rapidement jouer le championnat et arrêter avant le 31 août. Et ça ne sert à rien de jouer un championnat où on va jouer en septembre, en octobre, tout en sachant que nos représentants vont pas être enregistrés. Oui. Donc voilà un peu, malheureusement, encore une fois, la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés et toutes les mesures que vous connaissez avec les incidences, pas de relégation, pas de montée, etc., etc. Oui, oui, président. Oui, Kennedy. Vous faites bien de reconnaître que ce qui se passe actuellement au championnat national, on peut dire c'est de l'amateurisme. Mais président, est-ce que nous allons continuer comme ça la saison prochaine? Parce qu'on sait que je le disais dernièrement lors de la conférence de presse animée par les présidents de l'association des présidents de clubs, que bon, dès que le ministère va regrouper l'argent, on va dire bon, la LINAF, venez faire les états, venez faire le programme du championnat, et puis on repart. Est-ce qu'on va repartir comme ça, sachant bien qu'on va dans l'inconnu, en se disant que bon, on met 100 millions, après, dès qu'on va jouer 8 journées, 9 journées, ça va s'arrêter, et on va dire, il n'y a plus l'argent, est-ce qu'on va continuer comme ça? Alors, je suis d'avis avec vous pour dire que un jour, il faut que ça s'arrête. Ça va s'arrêter quand? Mais laissez-moi vous répondre. Je suis d'avis avec vous parce que vous savez, aujourd'hui, quelles sont les conditions dans lesquelles les clubs ont accepté de reprendre le championnat. Nous nous sommes retrouvés entre le 3 et le 4 janvier à la Fédération Gabonaise de Football. Et les clubs, depuis maintenant, on va dire 2 à 3 ans, sont formels. Le championnat n'est pas professionnel, qu'on arrête de faire semblant d'être professionnel, qu'on n'ait pas honte de reculer. Même dans les grandes nations du football, quand ils ont lancé, ça a tâtonné, ils ont reculé. Elles ont reculé. Donc, il ne faut pas qu'on ait honte. C'est normal. Quand un enfant apprend à marcher, il s'élève, il fait un pas, il tombe, il rampe encore, et puis il se prépare à être plus fort pour mieux marcher. Comprenez? Donc, nous avons posé le problème à la fédération, qui l'a accepté. C'est consigné dans un procès verbal. Il a été dit ceci: nous allons suspendre le championnat professionnel pour la saison sportive 2019-2020. Nous allons jouer d'abord sans le statut professionnel. À la fin de ce championnat, nous devons nous asseoir autour d'une table pour pouvoir évoquer les questions de manière lucide et sereine pour préparer l'action sportive 2020-2021. Tout le monde sait, ce n'est pas un secret, sait que le championnat professionnel, quand il est arrivé en 2012, aucun acteur n'a été associé.
ni la FEGAFOOT, ni la LINAF, ni les clubs, ni, je ne sais pas moi, personne, même pas le ministère des Sports. On va pas revenir sur l'histoire. Ça a été imposé et nous sommes allés. Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas possible. Parce qu'un championnat professionnel a des exigences. Il y a des règles. Un club professionnel, le statut professionnel confère au club l'existence d'une société sportive, commerciale, qui gère la partie professionnelle. Et l'association gère la petite catégorie. Ça marche comme ça. Et le jour où vous n'êtes plus professionnel, vous avez un délai et vous perdez ce statut. Donc, nous avons ensemble arrêté de mettre en place une commission. Permettez que je sois un peu plus explicite sur la question de la commission. La FEGAFOOT est parfaitement informée. Nous attendons au niveau des clubs et de la LINAF la convocation de cette commission. Nous avons déjà commencé à travailler. Nous avons commencé. Je vais vous dire ce que nous pensons pour le démarrage du championnat l'année prochaine. Quitte à faire les passes sur la saison 2020-2021 pour répondre à Kennedy. Mais il est important de repartir sur de nouvelles bases. Nous proposons ceci. Nous avons dit ceci. Il faut qu'il y ait une grande commission dans laquelle on aura les représentants du ministère des Sports, les représentants de la FEGAFOOT, les représentants de la LINAF, les représentants des clubs de première et deuxième division, les représentants des ligues provinciales, les représentants des associations sportives, notamment les footballeurs, les arbitres, les entraîneurs, les représentants des clubs de football féminin, les représentants des clubs de foot, des jeunes et des personnes ressources venant d'horizons divers, notamment des juristes, des médecins sportifs, des communicateurs, des spécialistes du marketing, la directrice technique nationale. Il faut que tout ce monde puisse faire partie de cette commission. Pour parler de quoi? Pour parler de deux grands thèmes. Le premier thème, c'est l'environnement juridique et financier de notre football. Environnement juridique et financier. Qu'est-ce que nous devons faire à l'intérieur? Nous pensons que, un, il faut mettre en place un texte qui fixe les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement d'un club de football. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, le club, c'est alors 35-62. Tout le monde peut faire un club. Non, il faut un texte. Deuxièmement, il faut un texte qui fixe les conditions et modalités d'attribution de la subvention de l'État au club, ainsi qu'aux structures chargées d'organiser les compétitions. Et ça, ce n'est pas seulement le football d'élite. Il faut penser aux sous-ligues. Il faut penser à la base. Tout le monde doit pouvoir recevoir de l'argent en soutien pour cette activité. Monsieur Ensuite, le Président. Je vais terminer, s'il vous plaît. C'est très important parce qu'après, souvent, on pense que... Nous allons vous inviter. Il faut un texte qui favorise l'implication des partenaires privés dans l'organisation et le développement du football. Le sponsoring, le code du sport. Aujourd'hui, pourquoi une entreprise va venir sponsoriser un club ou la LINAF? Pour rien du tout. Pourquoi? Non, il faut revoir ça. Nous pensons qu'il faut un texte, il a dit dans l'édito, qui favorise la mise en place et le développement des droits de télévision dans le football. Aujourd'hui, les acteurs se donnent, ils jouent, ils font un spectacle. C'est quoi le retour? Nous pensons qu'il faut un texte qui met en place une structure chargée de contrôler la gestion financière des clubs et des structures qui organisent les compétitions. Comme la DNS en France. Il faut le faire. Mais une structure indépendante. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas être jugé parti. C'est une structure indépendante. Il faut la mettre en place. Et nous pensons qu'il faut un texte qui régit et encadre la relation contractuelle qui existe entre les footballeurs, les encadreurs techniques, les dirigeants de clubs de football, ainsi que les avantages liés à la pratique du football. Si on veut être professionnel, il faut un contrat de travail. Un contrat de travail qui est régi par une loi appropriée. Ce n'est pas le code du travail. Le code du travail est inadapté au contrat qui existe dans le football. Parce que le footballeur a 30 ans, il est vieux. Vous voyez? Et dans le football, il n'y a pas de contrat à durée indéterminée. Donc le code du travail ne peut pas s'appliquer. Il faut un texte qui va en ce sens. Et la deuxième partie, je termine s'il vous plaît, la deuxième partie de cette commission va
s'appesantir sur l'organisation administrative et des compétitions. Pourquoi ? Nous pensons qu'il faut une organisation administrative des structures, ainsi que les compétitions attribuées à chaque structure sur l'ensemble du territoire. Il faut revoir ça. On ne peut pas seulement avoir l'élite et puis après, il y a un cassage. Non. S'il y a un D1, il y a une D2, il faut une D3, à la limite une D4 nationale. Il faut que le parcours qui permet à un club d'arriver à l'élite soit clairement défini et qu'il soit long. Il faut que le problème des statuts, il faut les harmoniser, les statuts types de la fédération, des ligues. Il faut les cahiers de charges. Cette commission doit réfléchir les cahiers de charges. Un cahier de charges pour le football d'élite, un cahier de charges pour le football féminin, un cahier de charges pour le football amateur. Parce que c'est là-bas où on commence à jouer. Et je termine par ça, il faut également un calendrier national des compétitions sur l'ensemble du territoire. Il faut que tout ça là soit réglé depuis le bas. Quand on joue un championnat à l'Estuaire, on doit jouer le championnat à Kulamutu, on doit jouer le championnat à Makoko, on doit arrêter au même moment, on doit faire des AG au même moment. Et la FEGAFOOT finit avec son congrès. Effectivement. Vous voyez, tout ça, il est temps qu'on en parle, qu'on en discute et qu'on mette ça sur la table pour jouer au football. Tout le Monsieur monde Brice Vika-Jambou, nous avons terminé sur ces mots. Vous avez écouté la vision pour la saison prochaine du président de la LINA. C'est la fin de ce numéro 3 de Gabon Sport. Le numéro 3 de Gabon Sport portait essentiellement sur le championnat national de football avec nos invités Kennedy Ondomba et Stéphane Massassa et le président de la LINAF. Nous avons longuement débattu sur les questions liées au financement du championnat, à son organisation et au règlement des arriérés des salaires des joueurs. Vous pouvez réécouter cette émission toute la semaine et la suivre via la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Gabon. Julien Makita a assuré la technique, David Maguena à la réalisation. Moi, c'est Frédéric Nancy Pagna. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous. Gabon Sport, c'est votre magazine hebdomadaire de l'actualité sportive. Aubameyang, and he scored there in the end. Gabon Sport, c'est tous les lundis à partir de 14h sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Le football africain aura désormais les projecteurs braqués sur le Gabon. C'est ce que je disais, il n'a que la vitesse comme à tout. Oui, moi je crois que c'est à ce niveau qu'il doit beaucoup travailler. Gabon Sport, c'est une émission d'information, d'analyse et de débat avec des experts du monde sportif.